Salut la compagnie, aujourd'hui on se trouve avec Ori and the Blind Forest qui est un jeu de plateforme qui est sorti en début d'année, en mars je crois. Et donc on va découvrir ensemble ce jeu qui a l'air très mignon. Et c'est parti! Il est trop mignon. Je trouve que les personnages font un peu penser au studio Ghibli. Thank you.
Ça devient triste. Mais non, c'est vraiment trop triste. C'est vraiment trop trop triste. Je pensais pas aussi triste.
c'est maintenant que commence vraiment le jeu. Pour les scènes du début, j'ai du mal à comprendre qui c'est qui parlait. Ah, dis donc. Je fais exprès. Et ouais, du coup, je crois que j'ai compris que c'est l'arbre. Enfin. J'ai trouvé un petit brasier de lumière spirituelle. Ta jauge s'est remplie de lumière spirituelle. Trouve un autre pour finir le point de la compétence. Du coup, ouais, j'avais du mal à comprendre. C'est qui parlait, mais oui, c'est en fait. Je pense que c'est l'arbre qu'on voit du coup au début. Et quand il. Quand il revit. Excusez-moi. Je trouve un éclat de vitalité avec par exemple pour régénérer la vitalité. Ok. Ah! Ma fille de trouille! Ouais, je vais rester comme ça combien de temps? D'accord, ouais, mais je suis morte. Le truc qui sert à rien du coup. Ok, je sais, c'est dernier moment. C'était juste. C'était juste. Donc là, voilà, je peux voir ma compétence. Alors, Slam de Flamme permet de lancer trop flamme avant de devoir recharger. La plupart des objets récupèrent le feu de Vaori et permet de réutiliser les mandats mais récupérer ton charge. On va déjà faire un truc pour se défendre, je pense que ça va être bien. Les décors sont vraiment jolis en tout cas. Bagarre ? Oui, bagarre. Oh, j'ai qu'une vie. Ah non, c'est bon, j'ai récupéré ma vie. C'est la carte, elle est très jolie aussi. Il y a ça pour quelqu'un. Oh, ça lance des trucs. Non. Ah, c'est bon. Je suis pas blonde de moi. D'accord, mais je vais aller là. Thank you.
qu'on a sauvegardé et on va s'arrêter là. Donc c'était surtout pour commencer le jeu, vous présenter, voir comment il était. Et donc pour l'instant, ben, il démarre plutôt bien puisque les graphismes sont vraiment très jolis. Il y a le soin du détail, l'avant-plan, bon, l'avant-plan aussi, on voit des choses bouger et tout ça. Enfin, je trouve que c'est vraiment bien. Les musiques sont magnifiques. L'histoire a l'air d'être très belle. Enfin, c'est une série qui commence très bien, je trouve. Et j'espère que vous la suivrez. Donc je vous dis à très vite pour l'épisode numéro 2.